Bienvenue à vous les gambitubeurs et les gambitubeuses dans la deuxième partie de vidéo sur les graphèmes K et QU. Pour cette séance, tu auras besoin de ton manuel de lecture piano, de ta fiche d'exercice sur les lettres K et QU, mais aussi de ton cahier d'écriture. Allez, c'est parti, tu es prêt? Allez, on commence tout de suite par la fiche d'exercice que tu prends sur les lettres K et QU. Aujourd'hui, nous travaillerons seulement que sur l'exercice 1, 2 et 3. On commence par lire les consignes. Première consigne, relis ces syllabes pour former 4 mots. On associe bien une syllabe d'en haut avec une syllabe d'en bas. Deuxième exercice, complétez ces mots avec les lettres K, Q, U ou CH. Ce qui est important ici, hein, c'est bien qu'il faut s'aider de son manuel. On ne peut pas savoir comment va s'écrire le son Q dans FLAC. Il faut aller chercher la solution dans le manuel. Exercice numéro 3, complète ces phrases avec les mots proposés. Vous avez trois phrases, je ne sais pas si vous êtes assez rapide, il y a eu la solution que j'avais oublié d'enlever. Vous avez trois phrases à compléter avec les 6 mots qui sont ici. 2 mots dans chaque phrase. Il faut se rappeler comment faut faire ce type d'exercice. Pour faire ce type d'exercice, je rappelle qu'il faut d'abord lire tous les mots, ensuite lire la phrase. On ne peut pas choisir ici tout de suite, il faut lire le début et le fin de la phrase. Je lis aussi ici, et quand j'ai à peu près le contexte de toute la phrase, je vois quel mot pourrait aller à quel endroit. Une fois que je pense avoir trouvé la solution, je n'hésite pas à relire toute ma phrase pour voir si elle a du sens. C'est OK pour vous, donc les parents, vous pouvez à présent faire pause. Et vous remettrez en route lorsque votre enfant aura fini de faire les 3 exercices. Allez, bon courage les enfants, à tout de suite. Allez, on revient ensemble pour corriger les exercices. On va commencer par d'abord corriger l'exercice numéro 1. Pour corriger l'exercice numéro 1, voici le premier mot qu'il fallait former. Képi, deuxième mot, kiosque, troisième mot, 4, quatrième mot, claque. Kiosque, qui est le mot qu'on avait déjà vu dans la vidéo 1. Exercice numéro 2. Là, donc, en s'aidant de son manuel, on n'avait pas de raison de se tromper. Je le réécris quand même ici les mots. Une flaque, mon kimono, un orchestre, la chorale, un anorak, un kangourou, la banque, lequel. Donc ici, maintenant, il fallait compléter ces phrases. Alors, trois phrases avec d'abord ici la première, un orchestre joue dans le kiosque d'un jardin parisien. Alors c'est pas une phrase évidente à trouver, hein. Un orchestre joue dans le kiosque d'un jardin parisien. Exercice numéro 2 qui était peut-être plus facile, le kangourou saute par-dessus la flaque. Et phrase numéro 3, sur le quai on voit des sportifs en kimono. Alors, on se rappelle que le kimono c'est la vêtement ou être aussi la tenue des judokas. Continuons. Étape 4, nous passons à la page 78 de ton manuel de lecture piano et nous allons relire ensemble la partie 2 pour commencer. Donc, je vous laisse, comme on la connaît déjà, hein, je vous mettez pause sur la vidéo, vous la lisez tout seul, puis après on la relit ensemble. Allez, c'est parti, je lis des mots et j'apprends d'autres manières d'écrire le son Q. Donc, on connaît déjà la lettre C qu'on avait vue auparavant, le cochon, une coupe, du carton, le cartable. Trois autres façons, ici la lettre K, comme dans un kangourou, un kimono, le képi, un kilo, un koala, le kiosque, un klaxon, un anorak. Les lettres Q et U. Une flaque, une claque, le quai, une brique, une coque, 4, brusque, coquin, il quitte. Et enfin les lettres CH, là, qui font plus régulièrement le son CH, mais ici nous avons quand même 3 mots dans lesquels elles font le son CH, la chorale, un chœur, l'orchestre.
la lettre Q qui se retrouve sans se copain le U quand elle est à la fin du mot toute seule. 5. Un coq. Les mots à retenir, qui sont des petits mots outils qu'on utilise régulièrement pour qui, quoi, quand et pourquoi dans des questions. Il y a le petit mot que ici aussi. Donc ces petits mots, il faut savoir les lire assez rapidement, mais il faut aussi savoir les écrire. Nous passons maintenant à la lecture des phrases. Pour lire les phrases, donc trois niveaux, je rappelle que vous choisissez le niveau qui vous avez envie de lire les enfants, soit niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3, et même si vous avez vraiment du courage, vous pouvez même lire les trois niveaux. Je vous laisse faire pause et vous remettez en route lorsque vous êtes prêt. Phrase de niveau 1. Yannick est en kimono sur le quai de la gare. Je montre bien ce qu'il y fait. Niveau 2. Le koala porte un képi et saute dans les flaques près du kiosque. Niveau 3. Quand le coq, le koala et le kangourou chantent tous en chœur, c'est une drôle de chorale. Trois mots qu'on avait vus, le mot kimono, qui est donc l'habit traditionnel japonais, le mot kiosque, qui est une échoppe de rue dans laquelle on peut vendre des journaux ou des fleurs, par exemple, et la chorale, qui est un ensemble de chanteurs. Étape 5, page 79, lecture de texte. Donc, trois niveaux de texte. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, comme pour les phrases, vous choisissez le niveau que vous avez envie de lire, les enfants. Vous pouvez lire que le 1, ou que le 2, ou que le 3, ou même si vous sentez le courage, vous pouvez me lire les 3. Je mets pause, les parents, vous remettez en route lorsque vous, votre enfant, a fini de lire. Allez, nous lisons ensemble le texte de niveau 1. Drôle de cas dans le kiosque. Le chef d'orchestre réclame le calme. C'est un grand kangourou en kimono. Toute la basse-cour se tait. Le coq accroche le micro et claironne 4. Cocorico! Le charivari peut débuter. Alors, plus quelques mots compliqués quand même dans ce texte. N'hésitez pas à demander la signification à vos parents, les enfants, parce que là, on va pas pouvoir tout expliquer, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Claironne, charivari, basse-cour, alors un chef d'orchestre, hein. Donc des mots un peu compliqués là. Peut-être à demander à vos parents ce qu'ils veulent dire. Continuons. Texte de niveau 2. Le koala joue de l'harmonica. Oscar, le canard, joue de l'accordéon. L'okapi remet son képi en klaxonnant. Les poules caquettent. Les cannes cancanent. Le caïman claque de la queue sur le kiosque. Et brusquement, s'élève le chant de la chorale. Oh, quel beau tintamarre! De même, plusieurs mots ici hein, qu'il faudrait connaître la signification. Alors l'harmonica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un instrument de musique. Avant, on a cancane, caquette, caïman, tintamarre. Donc des mots qu'il faudrait voir si vous vous rappelez la signification. Je rappelle l'okapi, on l'avait vu hein, dans la séance, dans la première vidéo. C'est un animal. Continuons, texte de niveau 3. Alors, texte de niveau 3. Dans la basse-cour, c'est la panique. Le coq se moque de l'anorak du koala. Le phoque le pousse dans une flaque en lui donnant quatre grosses claques. Le crocodile crie et tambourine. Et sans attendre le retour au calme, il croque le coq. Fini la comédie. Plus de bruit. Ok. Tambouriner, hein, ça fait la même famille que tambour, ça veut dire taper. On continue cette vidéo avec maintenant l'écriture. Faut que tu prennes ton cahier rouge d'écriture et on va revoir ensemble l'écriture, la copie. L'écriture, donc la copie aujourd'hui de la phrase. Alors moi, je ne l'ai pas
copier sur les lignes. Donc ici, allez, c'est celle-là qu'il faut que tu recopies sur la ligne de ton cahier. Alors tu feras bien attention hein, que la capitale d'imprimerie du début de phrase monte jusqu'à la troisième ligne aussi, comme les boucles. Ok. J'ai choisi hein, de la mettre à la troisième ligne, c'est un choix volontaire de ma part. Il y en a certains qui les montent à la deuxième, je préfère la mettre à la troisième. Le T et le D, attention, montent que jusqu'au deuxième interligne. Pour écrire, on essaye de lier le plus possible les lettres en respectant tout de même le sens d'écriture. Pour écrire, tu dois être assis correctement, tenir ton cahier avec la main qui n'écrit pas, bien tenir ton crayon afin que tu puisses voir la mine et où est-ce que tu écris sans avoir besoin de trop baisser la tête. Il te faut un endroit calme et de la concentration pour écrire cette phrase. Je te laisse l'écrire tout seul, car la vidéo va se terminer ici, donc tu te concentres bien. Je te remercie d'avoir bien travaillé avec moi, et puis on se retrouve pour la troisième partie, pour les graphèmes K et Q, que tu feras demain ou après-demain, je sais pas. En tout cas, merci, et à bientôt, et bravo.